Salut à tous, c'est Megavolt et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un unboxing un petit peu particulier parce que ce n'est pas un produit que je vais déballer devant vous. En fait, c'est tout un paquet d'achats que je me suis fait. J'ai décidé de me faire plaisir, chose qui est relativement rare en ce moment. Et je me suis acheté des films au format Blu-ray. Donc, on va faire le déballage tout de suite. Tout simplement, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est parce que je vais sur gamezik.fr, à partir de très bientôt, donc faire des tests également de films et de séries, ainsi que de mangas. Donc là, j'ai terminé, par exemple, la série Jeanne et Serge, que j'avais vue à l'époque où ça passait sur la 5, pour ceux qui se rappellent. Et en fait, je vous parle un petit peu de la série, du coffret collector, de ce qui m'a plu et de ce qui m'a déplu. Donc, comme ça risque de prendre un certain temps, parce qu'il y a des passages de vidéos que j'aimerais comme vous montrer, parce qu'il y a des choses qui m'ont passablement énervé dans la série, autant au niveau du dessin animé que du doublage. Bon, quoique le doublage... Bon, bref, c'est parce que il y a un manque cruellement de comédiens, mais bon, ça, c'est pas la partie la plus importante. Je vous en reparlerai. Là, on est sur l'unboxing donc de ces films. Je vous les présenterai pas forcément tous, parce que certains sont intéressants, d'autres le sont moins. Hop, vous allez voir. Donc, j'ai eu tout ça pour, allez, on va dire, à peu près 80 euros, sachant que là-dessus, j'ai récupéré après des bons d'achat qui vont me permettre de faire encore baisser la note. Alors, ici, je sais pas si vous voyez bien, on a donc l'intégrale de Alien vs Predator. Donc coffret double DVD. Je vous donnerai les tarifs après. C'est en solde en ce moment chez Amazon, hein, pour pas faire de pub. Donc Blu-ray double couche, du MP4, voilà, donc truc de base. Ensuite, Jean de Fleurette et Manon des Sources, version remasterisée. Donc l'appareil double DVD, un double Blu-ray. Ensuite, les 4 fantastiques plus les 4 fantastiques et le surfeur d'argent. Toujours en Blu-ray, 2 films à petit prix. Sherlock Holmes, le 1 et le 2. Je les ai déjà vus, ils sont pas forcément super super excellents. Non, ce que j'aime pas, c'est ce genre d'emballage. J'ai l'impression que c'est de la remballe, mais bon. J'aime beaucoup Sherlock Holmes. Ensuite, là c'est un petit peu plus épais. Hop, on va cacher tout ça. Ensuite, nous avons Alien Anthology. Donc, ça, c'est le plus beau des coffrets. Donc, il n'y a pas le tout dernier qui s'appelle Proximus, je crois, ou je sais plus, bref. Vous me corrigerez si je me suis trompé. Donc, les 4 disques des films sont dedans. Vous avez, alors je ne sais pas si on va bien voir, on a les versions dites normales, plus donc la version cinéma, plus les versions longues. Et ainsi que toute une flopée de bonus. Ensuite, on va passer sur celui-ci. Donc, la trilogie de Predator en version boîte métal. Super important. Donc, avec les 3 Predators, le 1, le 2 et le 3. Personnellement, j'ai vu que le premier, il y a déjà très longtemps. Et on termine par du Clint Eastwood avec Mémoire de nos pères et Lettre d'Iwo Jima. Alors, pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos, pourquoi ces deux films, d'après ce que m'a expliqué donc un ancien collègue de boulot, ce serait la même histoire, mais le point de vue des Américains et le point de vue des Japonais. Donc on m'en a dit beaucoup de bien, et donc ben voilà, c'est pour ça que j'ai pris tout ça. Alors, je vais vous cacher, hop,
mes coordonnées perso. Après tout, ça n'a aucune importance. Voilà. Alors, donc, Sherlock Holmes 1 et 2, je l'ai eu pour 9 euros. Alien, 21 euros. Les 4 Fantastiques pour 9 euros. Manon des Sources et Jean de Fleurette pour 8 euros. Alors, vous pouvez voir les prix, hein, c'est pas très 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 cher. Et donc, grâce à ça, donc, j'ai récupéré un bon d'achat de 10 euros à valoir sur n'importe quel coffret. Et j'ai récupéré également des bons pour avoir de la musique gratuite que je filerai à Cristal. Voilà, écoutez les amis, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à bientôt sur gamezik.fr. Ciao ciao.